Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. C'est la présentation aujourd'hui d'un nouveau modèle Tunups série 2 2022. Alors c'est je crois l'épisode 7 sur cette série 2. Alors aujourd'hui c'est le code BK29. Donc on regarde ce qu'est exactement le code BK29. Ce que contient cette boîte. Alors, de toute façon, vous le savez maintenant, c'est un modèle inédit que je ne vous ai jamais montré, quoi qu'il arrive. Allez, la petite vis, hop, pas comme la dernière fois, voilà, impeccable. On retourne, oula, failli se faire la malle. Les accessoires, ça a l'air léger. Et le modèle, alors. On y va tout doux, des petites gens. Oh, il est vert et c'est un Toyota Yas. Oui, il est joli, à fleurs comme ça. Alors, attendez qu'on regarde, on va sortir tout ça. Le petit petit jeton collector. Hop, on range le petit flyer dans son logement. Alors, c'est donc le Toyota Yas Hibiscus Off-Road et il est rare à trouver celui-ci. D'accord. Alors, on va regarder dans un premier temps la miniature. Et la miniature, ah oui, donc c'est une couleur verte pailletée. Puisque vous voyez qu'on a des petits reflets or dessus. Et alors, j'imagine que c'est une écriture thaïlandaise, hein. Je ne veux pas l'affirmer, mais. Alors, la tempo est très jolie, hein, des fleurs comme ça. Donc, l'intérieur est bleu, ciel, vert. Vert, hein, ouais, bleu-vert. Alors, les jantes sont noires avec un petit liseré or. Et il est plutôt coquet celui-ci. Donc, le petit sigle Toyota. Voilà. De ce côté-là, c'est pareil. Et à l'arrière, bah c'est nickel à l'arrière, vous voyez. On a marqué Yas. Le petit signe Toyota, les feux sont faits. Ouais, c'est granuleux même. Hein, c'est. Alors, je sais pas si c'est. Bah, c'est peut-être bien le métal qui est granuleux, parce qu'on voit des petits points de la lumière. Et le châssis. Et noir. Alors, il y a de la suspension. La miniature roule bien. On va passer donc aux accessoires. Alors, d'un côté, on a pas grand chose. On a les stickers. Hop, qui sont ici. Et on a la une roue de secours. Voilà. Et donc de l'autre côté, ici on doit avoir un gros accessoire. Voilà, qui est en plastique, mais plastique, vous voyez, avec une peinture chrome, du plus bel effet, or. Très joli. Bah, écoutez, ça va être vite habillé. Hein. Là voilà, hop, c'est fait. Et la petite roue de secours qui vient donc se loger ici. Et voilà. Alors là, je suis pas sûr du truc. J'ai. Voilà. Et ben écoutez, regardez. Et ben il est plutôt joli celui-ci. Hein. Vert et or comme ça. Là encore, un effort a été fait sur l'accessoire, puisque cette peinture, ben, ça l'embellit quand même, hein, c'est vrai. C'est plus sympa que si ça avait été une couleur jaune, jaune plastoc, hein, comme on a pu voir. Un beau modèle rare, et un modèle de plus, inédit pour la collection. Voilà. Ben voilà les amis, écoutez, hein, satisfait aujourd'hui, voilà, satisfait. Eh bien,
Parfait. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo de présentation Majo Huguette.